كانت الفرصة سانحة لشرح المسعى لإعطاء التوضيحات حول استعدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأداء ما هو منوط بها لتسهيل وجعل سيرورة الانتخابات يعني في المستوى المطلوب، ثم يعني أوضحنا الآفاق المستقبلية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. Nous avons aussi abordé la question de la sécurité de l'information électorale des résultats du scrutin. Et son Excellence a eu l'occasion de visiter le data center qui est en quelque sorte l'appui électronique aux efforts de l'ANI. Et nous avons envisagé le principe d'une coopération future entre l'Union européenne et l'ANI pour la formation et l'échange d'expériences en matière d'organisation des scrutins démocratiques. Nous avons eu l'occasion de parler de la loi électorale qui est en préparation, puisque suite à la révision de la Constitution, il y a une nouvelle loi qui est en préparation. Donc pour préciser certains éléments qui sont, dont certains sont déjà dans la presse, mais qui... pour préciser certains de ces éléments, de revenir sur certaines des questions qui avaient été évoquées lors de missions d'observation lors d'élections précédentes et de pouvoir prendre la mesure des changements qui ont été adoptés et mis en route.